Devant, vous me guidez, hein. Ah oui. Le matin, il est froid, hein. C'est priorité tribord. On va sur le droit niché. C'est pour ça que c'est le trop plein du lac, tout simplement. Comme il y avait la mer. C'est l'eau du lac qui s'en va à la mer. Mais comme ici on est à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, la marée ne remonte jamais. C'est le lac. Tout ça c'est une autre chose. Et là, depuis 2 mois et demi, vous savez qu'ici, c'est pas chez nous. Hein. Il n'y a pas plus. Quelques autres, quelques gouttes partout par là, mais là c'est que de l'eau de source. Il y a 5 rivières quand même maintenant. La moyenne de profondeur du lac, On va prendre le bras du milieu, il y en a 2 autres, un de chaque côté. Et les 3 se rejoignent au même endroit, à l'entrée du droit du pied. D'abord on va traverser le marais, la zone marécageuse. Vous avez les 2 plages, hein, Léon, où on est parti. En face c'est Vienne, c'est terre ferme. Après tout le reste, c'est à proximité, c'est tout du marécage. Hein. Impraticable, on appelle ça le marais flottant. On va le traverser. Le lac 400 hectares et le marais 300 hectares. On va jusqu'au fond là-bas, vous voyez les grands pins là, c'est la limite du marais. Hein. Et toutes les portes se passent sur le lac, on va le rapide. C'est comme notre lac est toujours profond, c'est toute une époque, mais manque d'entretien, la végétation peu à peu envahit la surface du lac. C'est pour ça qu'on appelle le marais profond. C'est la végétation qui est posée sur nous, hein. En praticable, c'est comme une stabilisation. Vous voyez les 2 chasses qui viennent tous en marque. Ou du bord du lac de Léon, ou de la nappe, là où on va arriver, de l'entrée du courant niché. Parce qu'à l'entrée du courant niché, là, on peut y arriver en bord du feu. Avec l'autorisation, on va plus. Délivré par la réserve. C'est
Comment? Là. Sur l'eau là? Ouais. Oh, c'est un bout de marée. C'est un bout de marée, quoi. Et c'est pas uniforme, hein, le marée. C'est tout du rapporté. Vous allez voir les herbes, les arbres, les fougères. C'est rien de compact. Hein. C'est tout. Il y a de l'eau partout là, au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça le marée flottant. Donc quand il y a bien du vent, surtout l'hiver, vous avez des morceaux comme ça, ça s'est détaché. Ça va se détacher, transporté par le vent, ça peut arriver au milieu du lac, ça peut arriver au bord du lac. Ça ne tient pas, c'est pas compact. Produits chimiques. La matière première, c'est pareil, c'est de la fruit, c'est le bois, c'est le pain. C'est la transformation de la résine et l'utilisation des essences de pain. Pour les puissants, c'est la plus grosse boîte, la plus grosse boîte qui est en train. On en revient au rugby. Hein. On rentre à l'usine quand on joue au rugby. Hein. Donc j'avais une idée, si tu veux rester avec nous, on te fait rentrer à l'usine. On fait un peu de tout, mais bon, ça ne correspond pas du tout à ce que je fais maintenant. Après, c'est un choix. Hein. On reste avec la famille, les amis, le rugby, la barque, et on reste dans notre région, on va rien dire. C'est le conduit, c'est le fiscal, le conduit, bon, pas vite, mais bon. Maintenant, 95% des bateliers, c'est que les ouvriers du jour, hein. C'est que de ça. Hein. Ceux qui sont partis, devant les deux, ça va être cet après-midi aussi, donc on va ramener. Hein. Oui, il est un peu. C'est ce que les premiers bateliers, à l'origine, je crois que vous avez vu l'historique, 1908, la date officielle. Ça fait plus de 100 ans qu'existent les balades sur le courant du Sud. En barque, à la rame, toujours de la même façon. Tradition, nous sommes une tradition, c'est un point. Et les premiers bateliers, ce n'étaient que des pêcheurs professionnels du lac de l'Est. Ils ont été jusqu'à une dizaine à vivre de la pêche. La pêche, la terre et les balades de temps en temps. Pas comme nous tous les jours maintenant. Hein. Ça leur suffisait. Hein. Ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas de portable. Hein. Non mais après il faut remonter. On appelle ça une forêt galerie. Hein. On rentre, on pénètre dans une grotte de verdure. Là, vous avez vu les sédans qui étaient sur le bois. Ils doivent très certainement faire à la promenade le long du courant du Chier, puisqu'il y a des petits sentiers, hein, d'accord, aménagés. Ça pourrait être plus agréable encore en ce moment s'il y avait plus un petit peu, hein, pour les champignons. Les champignons, il n'y en a pas. Hein. Je ne sais pas où je connais pas ça. L'autre jour, il y en a deux. Sur le marché, oui. Ah, sur le marché. Il est assez. Non, mais ils arrivent de Russie. Ah, oui, sûrement. C'est Tchernobyl là-bas. Ouais. Ils n'avaient pas trois pattes. Ils n'avaient pas trois pattes. Hein. Ici, ils avaient une petite casquette. Hein. Il me semble que j'en ai vu un. Bon, il va me pousser, hein, mais il ne va pas se voir tout ça. Parce qu'il porte de l'eau, quoi, l'humidité. Ah, oui, c'est bon. Les nuits sont fraîches quand même, hein. Les 5 du vin. C'est bon ça, ça réveille. Ce matin... Ah, il ne faut pas dormir dehors. Hein. Non, ne dormez pas. La pente maintenant, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là, avec la lumière qu'il y a, là, c'est fabuleux. Hein. C'est moitié ombre, moitié soleil.
Regarde toutes ces racines à nu. Hein. Ça, c'est le phénomène ici mais indésirable, c'est l'érosion. Hein. L'érosion, c'est la rivière qui mine les berges et qui entraîne le sable. Hein. C'est pour ça que le paysage, eh bien, c'est l'érosion qui le fait. Quoi, hein. Tous les arbres que vous voyez, qui pensent qu'ils ne poussent pas comme ça. Hein. C'est qu'ils sont déracinés petit à petit. Je vais rompre une aussi. Voilà pourquoi on est passé à droite. Les dames ne travaillent jamais ici. Nos femmes ne passent leur vie à la plage, je sais. Elles nous disent va ramer, c'est toi. Il y en a qui pêchent ici ? Personne. Pour le bord, ce ne sont que des sentiers pédestres, à pied. Donc maintenant, le pêcheur, s'il ne peut pas arriver avec la voiture sur son lieu de pêche, il n'y va plus. Hein. Moi, j'ai eu le premier pêcheur à voir cette saison, cette année. Moi, j'avais mon tonton, mon oncle, qui venait ici, qui pêchait à la dandinette depuis le bord, qui faisait tous les bords, qui pêchait la perche. Il a tapé des perches fabuleuses, jusqu'à 500 grammes. Hein. Maintenant, il n'y a plus personne. Après la pêche, il y en a qui viennent en bas. C'est une tolérance, puisque depuis qu'on est passé, on a passé le barrage, toute navigation est totalement interdite sur la rivière, à part la batellerie traditionnelle du Kouanichi, y compris les canoës. Pas de canoës. Donc, à la saison de l'anguille, il y a des ponts, nous, dans les bateliers, on a des pêcheurs d'anguille qui savent naviguer avec une barque. Donc, c'est une tolérance. Hein. Bon, ils sont pas nombreux, ils sont 2-3, ils viennent tendre des tambours, des nappes. Hein. Pour la consommation personnelle. C'est pour ça que l'anguille est encore un peu, hein, heureusement. Hein. Il est passé sur la rue. Des privilégiés pour annucher, hein. Ouais. Que centenaire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît, hein. Sa petite réputation existe. Hein. Ben nous, donc, on a été comme ça, c'est une belle, très belle saison, il n'y a pas plu. Mois de juillet, hein, c'est pas fait bon. Pas de monde. Vous savez, les campings, là, il y a moitié plein, les restaurateurs ne sont plus pleins.
Il n'y avait pas grand monde, mais nous, il y a une certaine gombée tous les jours. Parce que notre clientèle, nous, ce n'est pas le canton de Léon. Hein. Il y a des personnes qui vont de Bordeaux, de Pau, de Bayonne, de Vierge-Courtonne. Et c'est justement la journée pour faire la balade sur le coin ici. Après, il y avait un peu de monde quand même aussi. Et comme il n'y a pas plu, bon, il ne faisait pas chaud, c'est sûr. Et c'est un peu pour ça aussi que, ben, faisant un peu le bilan, les bateliers ne sont pas trop entamés physiquement. Hein. Parce que tout le mois de juillet, c'était 20-21 degrés, couvert par le chaleur. Donc physiquement, c'est déjà beaucoup mieux pour nous. Hein. Nous, le pire, c'est les chaleurs. Hein. Quand il a fait 42 degrés au mois d'août, là, 3-4 fois, c'est vraiment fatigant. On est jeune peut-être un peu moins, hein. Mais on sent que le moteur, il n'est pas comme d'habitude, quand il fait chaud. Bon, il faut y aller doucement, il faut y aller mollo. Bien s'hydrater, arroser, c'est ce qu'il faut aussi. Hein. Merci, c'est ce qu'il faut. Ouais. De temps en temps, il disait, bon, vous voulez s'amener. Ouais. Ah, mais là, vous n'avez pas chaud. Vous. Ici, à l'homme, là, même si il fait 40, c'est pas de problème. Hein. Si on ne bouge pas, disons que c'est moins pénible. Hein. Et le pire, c'est le lac. La dernière fois où il a fait très chaud, il fait 41, pas combien. Là, on souffle d'air sur le lac. Quand vous sortez de là, vous rentrez, c'est la fournaise. On ne voit jamais la fin. La dernière fois, je me retournais sans arrêt. Je voyais la bière qui brillait sur la table. La bière qui m'attendait, elle est fraîche. Elle moussait. Ah ouais, elle moussait.